soir, Seigneur. Mon beauté infini valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est dans le ciel. Dans mon âme et dans mon cœur, dans ma
Alléluia. Bienvenue à tous et à tous. Est-ce que vous pouvez dire un mot gentil à la personne à côté de vous? On salue toutes les personnes en direct sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence de Dieu et là où il y a nos frères et sœurs aussi. Dieu aime être en présence de ses bien-aimés, là où deux ou trois sont assemblés. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. On va être pendant 3 semaines ensemble, si vous voulez bien, dans l'étude d'une personne qui s'appelle Timothée. Et ça va parler à tous ceux d'entre vous qui êtes plutôt timides, réservés de caractère, pas sûrs de vous. Ceux qui se voient forcément limités. Vous mettez dans votre tête des blocages, non, ça je suis pas capable, moi je suis pas fait pour être un leader comme les autres, etc. Il y a des personnes qui ont des talents, moi je suis plutôt en retrait. Et Dieu a décidé de faire monter Timothée. Et Timothée va être un leader malgré lui. Et je voudrais voir en 3 dimanches comment Dieu nous appelle à devenir quelqu'un qu'on ne réalise pas que l'on est. Il y a des capacités, il y a une identité, il y a une sérénité, il y a des responsabilités que Dieu veut te confier. On va voir ça pendant quelques dimanches, d'accord? On démarre aujourd'hui avec comment tu peux grandir dans ton identité. Comment grandir dans ton identité? C'est merveilleux le livre de Paul à Timothée, mais également dans le livre des Actes. Et on va prendre directement la première partie. La moitié de mon identité, elle est terrestre. L'autre moitié, vous l'avez compris, elle est céleste. Parce que je suis né dans une famille. Mes parents m'ont donné une génétique. Et ça, c'est mon identité terrestre. Mais pas seulement la génétique qui est les liens du sang. On verra aussi que dans l'identité terrestre, il y a les liens du cœur, parce que sur la terre, il y a des amis, il y a des personnes qui vont bouleverser ma vie, peut-être autant que mes parents. Ça, c'est des personnes que je vais choisir. Et puis dans la deuxième partie, si vous voulez bien, on verra ensemble, prendre conscience de notre identité céleste. Qui Dieu dit que nous sommes? Quelle est l'identité de notre ADN spirituel? Ça, c'est le programme du jour, comment grandir? Parce que c'est le projet de Dieu, Grantin, de grandir dans mon identité terrestre. Alors, Timothée, les liens du sang. Est-ce que vous connaissez Timothée? C'est un personnage discret. Moi, je n'ai pas entendu vraiment de prédication sur Timothée. Je ne sais pas pour vous. Accrochez-vous au fur et à mesure du message, c'est de mieux en mieux. Timothée démarre dans une ville qui s'appelle Lystre. On lit ensemble dans le livre des Actes, chapitre 16. À Lystre se trouvait un disciple nommé Timothée. Sa mère était croyante d'origine juive et son père était grec. Déjà, Timothée, c'est un métis. Ah, le gars, il a 2 types de cultures différentes dès la naissance. Je pense que le mariage de ses parents, ça a dû être chaud. Parce que la grand-mère, vous savez que chez les juifs, on est juif par la mère. Et donc la grand-mère, elle était hyper croyante. Il nous dit, je me souviens de la foi qui est en toi et qui était d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Donc, maman et mamie, c'est des juives, d'accord? Et quand la maman de Timothée a dit, j'ai rencontré un garçon, le père de Timothée, mais il est grec. Ça a dû être chaud à la maison. Je ne sais pas s'il y a des mamans dans la salle. Quand on vous présente le futur ou la future, vous dites, je ne veux pas de ça dans la maison. Il y a déjà suffisamment d'instabilité ici, on ne ramène pas des gens bizarres. Et c'est vrai que plus une famille, plus un pays, plus une église est métissée, et plus ça peut créer de l'instabilité. Si on est tous des scans, des photocopies les uns des autres, c'est plus facile, c'est une armée. Mais quand on réalise la diversité, c'est une magnifique force, mais qu'il faut gérer parce que ça peut créer de l'instabilité. Et dans cette époque-là, le Moyen-Orient, on est en Turquie, c'est chaud, Lystre, c'est un carrefour en fait, de cultures différentes. Alors regardez, maman a dit, je veux que mon fils, il honore Dieu. Mais papa est grec. Alors ils se sont mis d'accord sur le nom. Le nom sera un prénom grec, Timothéos. Mais par contre, honore Dieu, ça sera au singulier. Parce que les Grecs, eux, sont polythéistes. Donc vous imaginez comment ça a dû être chaud. Est-ce qu'il y a des métis dans la salle? Vous êtes tous des métis. Même vous qui pensez que vous êtes plus blanc que neige.
j'ai vu un scan, des tests ADN. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, c'est très à la mode. Ils font des tests ADN, tu envoies un bout de cheveux, un bout de peau, un bout d'un truc, et on revient avec ton ADN. Et là, je voyais un suprémaciste blanc. Vous savez, c'est les gars du sud des États-Unis, persuadés qu'ils sont de la race supérieure, anti, enfin, quasiment Ku Klux Klan, quoi. Et le gars, il est appelé pour les résultats de son test. Et il vient avec beaucoup de fierté devant son test ADN, et le laboratoire met 10% black. Il a failli tomber à la renverse, le monsieur. Parce qu'on est tous des métis. Tu crois que t'es antillaise, mais je te dis que t'as quelqu'un d'espagnol dans ta famille. Tu crois que t'es blanc, mais t'as un turc en arrière, 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 arrière. C'est comme ça la vie, on est tous des métis, sauf qu'on se ment à nous-mêmes. Et faut réaliser que tout ça, ça fait en nous des complexités. Nous sommes des êtres complexes. Maintenant, il va falloir grandir pour gérer cette complexité dans notre identité qui peut créer de l'instabilité. Regardez l'Istre. L'Istre, c'est ici, ça s'affiche sur vos écrans et je remercie beaucoup pour le travail de la vidéo. On est au milieu, au sud de la Turquie. Au nord, c'est les Galates, donc c'est des Gaulois. Les îles, c'est des îles grecques. Les Romains ont tout envahi, donc c'est sous le contrôle de Rome. Et les Juifs ont été dispersés par Nebuchadnezzar pour aller là-bas. Bilan, c'est un gros bazar. Et les religions, les croyances sont très mélangées. Et c'est là-dedans que naît Timothée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Paul va arriver à Lystre pour la première fois, il y a un miracle extraordinaire. Un homme était boiteux, paralysé de naissance. L'enfant, il n'a jamais marché. Sauf que l'enfant est devenu adulte, ses pieds n'ont jamais été en état de fonctionner. Et l'apôtre Paul arrive et il dit, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et les gens de Lystre vont voir en direct cet homme paralysé, mais qui n'a jamais marché. Tu vois, des fois, Dieu nous guérit d'un truc, mais avant, ça allait bien, et puis ça revient bien après. Mais là, c'est un miracle qui vient de nulle part. Il a dû tout reconstruire au niveau des jambes. Et le monsieur se lève, et il marche direct, les os, clac, 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 tout se remet en place. Et devant ce qui se passe, les habitants de Lystre disent, les dieux ont pris forme humaine, ils sont descendus parmi nous, et ils ont appelé Barnabas Zeus et Paul Hermès, dieu grec. Sauf que Lystre, c'est chaud. C'est chaud. C'est plus que la Seine-Saint-Denis, Lystre. C'est un modèle d'instabilité. Et du coup, des Juifs ont arrivé d'Antioche et d'Iconium, c'est la ville d'à côté, hein, c'est d'un autre département, mais c'est pareil. Ils parvinrent à retourner le peuple contre Paul et Barnabas. Ils lancèrent des pierres contre Paul pour le tuer, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Ils vont le laisser pour mort, en coma. Il a été tuméfié, ils l'ont écrasé. Vous savez ce que c'est que la lapidation? On vous jette des pierres jusqu'à ce que vos os se brisent, que vous soyez en hémorragie interne et que vous mouriez. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'apôtre Paul, il est laissé pour mort. Et on se dit, l'aventure s'arrête à Lystre, la ville de Timothée. C'est là que peut-être Satan avait prévu que Paul s'arrête. Sauf qu'il nous est dit qu'il va y avoir des liens du cœur extraordinaires, grand B des liens du cœur. Quand les disciples se rassemblèrent autour de Paul, c'est la slide d'après, il se releva. Ne me demandez pas comment. Je sais que Dieu est extraordinaire. Lorsque l'Église a prié, Paul s'est relevé. Paul qui lui-même avait relevé les os de ce monsieur avec la puissance de Christ, c'est les propres os de l'apôtre Paul qui se remettent à fonctionner. Et il arrive, mais moi, après avoir été lapidé, moi, je perds, moi. Mais regardez Paul. Paul, il rentra dans la ville. Mais pourquoi, Paul, tu vas rentrer chez des furieux? Parce que Paul est un homme extrêmement stable. C'est un modèle de stabilité. Et Paul a dit, je ne partirai pas de Lystre tant que j'y ai pas accompli ma mission. Ma mission, c'est d'aimer ces gens-là. Et même s'ils m'ont fracassé avec des pierres, je retourne. Heureusement qu'il est retourné, sinon il n'y aurait jamais eu Timothée. Je voudrais dire à quelqu'un qui a une famille en décomposition, une famille en éruption, aime-les. Et retourne faire ton boulot dans cette famille en éruption qui est d'apporter de la stabilité dans cet environnement instable. Je sais que les « amen » sont difficiles à dire à ce moment-là, mais si ton boulot est un endroit en irruption, va apporter de la stabilité là-dedans si c'est Dieu qui t'a appelé à les aimer. On ne peut pas aimer le monde entier, mais si Dieu t'a appelé à aimer ces gens-là, ça va te coûter d'y retourner.
Et l'apôtre Paul va annoncer la bonne nouvelle et va retourner à Lystre. Waouh, c'est juste énorme. Et là, alors qu'il est à Lystre, il va tisser des liens. Deuxième voyage missionnaire, la carte s'affiche. Il va retourner. Il va retourner à Lystre. Et alors qu'il est sur la route, il va se passer quelque chose. Paul se rendit de Derbe à Lystre et il trouva un disciple nommé Timothée. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. En fait, l'apôtre Paul vient de démarrer un deuxième voyage. On est dans Acte 16 cette fois-ci. Il vient de faire un voyage après avoir rendu compte à l'église de Jérusalem et il cherche à construire son équipe, un peu comme à The Voice. Il recrute les meilleurs talents. Et il entend dire qu'il y a un jeune là, qui a du talent pour Dieu et qui s'appelle Timothéos. Et Paul désira le prendre avec lui. C'est au verset 3. Vous savez, c'est comme si, c'est pas Mika, mais c'est Paul qui a fait le buzzer en disant « Retournez le siège, je te veux dans mon équipe. » Et il a été récupéré, donc ce petit Timothée, ce jeune Timothée, je sais pas quel âge il a, 18 ans, quelque chose comme ça, a été recruté dans l'équipe de Paul. Alors dans l'équipe de Paul, il y a Paul en 1, il y a son adjoint qui est Silas, et donc il y a Timothée et Luc, Luc qui écrit d'ailleurs toute la Bible. Et Paul choisit d'être le mentor de Timothée. Qui aimerait être pris par Paul, dans l'équipe de Paul? Yes, on est d'accord, moi j'aimerais bien. Bon, par contre c'est un peu chaud. Verset. Il l'emmena donc, la vidéo, j'ai besoin que vous mettez le verset. Je sais que c'est douloureux, je sais. Et il le fit, c'est douloureux. La première action de coach Paul. On n'est pas en train de parler d'un gars qui a 8 jours, là. On est en train de parler de quelqu'un qui a 18 ans. Et qui va se faire couper, là. Pourquoi? Je me dis, mais je comprends rien. Par égard pour les Juifs qui habitaient dans les régions et qui savaient tous que son père était grec. En fait, l'apôtre Paul, à ce moment-là, vous savez que Paul est juif lui-même. Hein, et tous les chrétiens d'origine viennent du judaïsme. L'évêque, le premier évêque chrétien qui est Jacques à l'église de Jérusalem, ils appliquent plein de lois juives. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ils ont compris que Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité, mais ils font quand même un mélange de judaïsme et de chrétienté. Vous comprenez l'idée? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est retourné à Jérusalem et on lui dit, attention, tu dis que oui, ils ont le droit d'aller prêcher dans d'autres lieux que dans les synagogues, mais attention, pas d'animaux étouffés de sang, de viande sacrifiée aux idoles. Et donc, il y a toute la liste des interdits. Et à chaque fois qu'il va évangéliser dans une synagogue, bah, Timothée, ça pose problème. Parce que Timothée est moitié grec, moitié juif. Et donc, les juifs disent, pas cachère. Et il ne peut pas témoigner à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Qui est Timothée? Ils n'acceptent pas son identité. Est-ce que vous connaissez Jennifer? Vous la connaissez peut-être, vous allez la connaître. Jennifer, j'ai eu la joie de la baptiser quand elle avait 23 ans. Elle est venue à l'église MLK alors qu'aucun, ni son père ni sa mère ne sont chrétiens. Elle est malgache et elle a un caractère de feu. Dès que j'ai rencontré Jennifer, j'ai compris qu'elle dise la vérité en face. Ça fait partie d'elle. C'est une femme complètement directe. Et peu importe ce que vous lui dites, elle a son idée. Quand elle a choisi Jésus, elle a choisi Jésus contre l'avis de tous ses amis, ses proches, etc. Elle a assumé. Sauf qu'il y a un aspect chez Jennifer, c'était qu'elle avait un piercing. Et elle avait un piercing qui fait que lorsqu'elle a voulu se faire baptiser, certaines personnes autour d'elle, bien intentionnées, lui ont dit « C'est interdit. C'est interdit. » Ça l'a troublée, elle est venue me voir et me dit « Pasteur, est-ce que j'ai le droit d'avoir un piercing ?» J'ai dit « Que dit la Bible ?» Elle dit « Le Nouveau Testament, rien du tout. » Après, il y en a qui disent que dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a tout, et il y a tous les lois juives dans l'Ancien Testament. Puis après, il y en a d'autres qui rajoutaient d'autres trucs, parce qu'après, vous savez, l'église MLK, c'est composite. Hein. Il y a tout le monde qui a une idée sur tout, justifiée différemment. Hein. Il y en a d'autres qui ont dit « Oui, mais toi, t'es une malgache, et nous sommes issus de l'Afrique, a été exploitée par les Blancs, et les Blancs, ils mettaient des anneaux, ne fais pas ça, ma fille, c'est l'esclavage, c'est la servitude. » Je dis « Jennifer, ça, je comprends ça, mais est-ce que c'est... » Elle dit « Mais non, moi, c'est de la déco. C'est ni spirituel, ni servitude, c'est de la déco. »
C'est juste, j'aime bien mon piercing. Et j'ai dit, en gros, ça n'a un sens ni positif ni négatif. Il me dit, non, mais c'est rien, c'est de la déco. J'ai dit, ben, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, piercing avec. C'est-à-dire le piercing au fond de la baignoire, le piercing ressort, le piercing sanctifié, comme tout. Et on a tout baptisé, ça fait, c'est de la déco. Moi, je sais pas, moi, tu mets ce que tu veux, c'est de la déco. On va pas enlever le maquillage non plus, c'est de la déco. Le maquillage non plus, c'est pas naturel. Bon. Elle est sortie de l'eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur. La Bible dit, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est le cœur. Je dis, Jennifer, on va progresser dans ton caractère, on va progresser. Il y a des choses à changer, mais ça, c'est pas le truc le plus important, tu vois, même pas du tout. Sauf qu'elle s'est fait alpaguer l'après des canapés, parce qu'il y a une maman qui avait ses ados qui était en train de parler à Jennifer, et la maman, elle a dit, la fille, elle est une mauvaise influence avec son anneau, là. Ils vont être corrompus, là. Elle a dit à ses enfants, sortez, ne parlez plus à Jennifer, parce que Jennifer, là, elle a mauvaise influence sur vous, regardez l'anneau, je ne veux pas de ça dans ma famille. Et ça a blessé Jennifer. Profondément blessé. Parce que c'est comme si elle avait été rejetée dans une partie de son identité de base, tu vois, simple. Elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, ça m'a profondément blessé, je suis en colère, je vais dire les quatre vérités à la maman. Je dis non, 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 même une, c'est trop. Non, non, c'est pas nécessaire. Je dis, t'as la possibilité de lui dire ces quatre vérités. Ou bien t'as la possibilité d'aimer cette maman qui t'a blessé, par égard pour elle. Puis, la semaine en passée, moi, j'ai rien demandé à Jennifer. La Bible dit, pour quelqu'un, les jours ont une différence. Lisez l'apôtre Paul. Il dit, certains respectent le Shabbat, d'autres non. Il dit, faites comme vous voulez. Certains mangent de la viande sacrifiée aux idoles, d'autres non. Et alors, fais ce qui est bien et par égard pour les autres, essaye d'être gentil avec l'autre. J'entends plus d'amen, ça vous double. C'est pas tout, c'est comme ça dans l'Église. Voilà. On n'est plus des juifs, on n'est pas des musulmans, on n'a pas des interdits. Chacun fait ce que son cœur lui dit. Il faut que ta conscience soit pure, dit Paul. Ok. Donc Jennifer, elle continue, ça roule. Un mois, deux mois, et un jour, je vois plus de piercing. Je dis, Jennifer, t'as enlevé ton piercing. Il y a quelqu'un qui t'a agressé? Elle me dit, non, c'est moi qui l'ai enlevé toute seule. Je dis, pourquoi t'as enlevé? Elle me dit, parce que j'aime plus les ados que mon piercing. Et en fait, ce que j'ai pas... Enfin, hier, je reparlais, et elle me dit, tu te rends compte, Yvan, que 5 ans plus tard, c'est moi la responsable du groupe d'ados. Comment Dieu, lorsque tu es rempli, ouais. Ça aurait été tellement dommage de lui arracher. Personne n'a le droit de faire ça. Mais quand tu décides de couper quelque chose auquel tu tiens, fais-le par égard pour les autres. Ne le fais pas parce que tu te prends pour quelqu'un de sérieux. Mais tout ce que tu vas faire par égard pour les autres, c'est pour ça que Timothée a dit oui. Timothée a dit oui à cela. Non pas parce que la circoncision est bonne. La circoncision, ça ne sert à rien du tout. Mais par respect pour les juifs qui étaient devenus chrétiens et pour qui c'était important, il l'a fait. Est-ce que tout le monde comprend? C'est beau. Il y a des choses que j'ai le droit de faire, mais que je ne fais pas par égard pour les autres. Il dit, sois faible avec le faible, fort avec le fort, grec avec le grec, juif avec le juif. C'est ça qui crée. Si on comprend ça à MLK, on serait une église extraordinaire, on rentrera dans le plan de Dieu. Parce que c'est exactement ça le plan de Dieu. Exactement. Et ce qui va se passer, c'est que l'église de Jérusalem va quand même impacter au début, et l'apôtre Paul devient le mentor. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mentor? Ben, c'est lui qui le forme. Mais il ne va pas se limiter à un rôle de mentor. Il va devenir son papa, son père, son abba, celui... Vous savez, on peut donner des consignes à quelqu'un et vous allez être son chef. Mais on peut aimer quelqu'un et vous allez devenir son ami. Et Paul va devenir le papa adoptif. Il écrit à Timothée, il dit « Ô Timothée, mon enfant légitime dans la foi. » Il dit « Tu sais, je me vois en toi, Timothée. » Et franchement, je pense que pour Timothée, Timothée et Paul n'ont pas du tout le même caractère. Mais pour Paul, qui est célibataire et qui n'a jamais eu d'enfant, il considère que Timothée, là, c'est son bébé. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée, il lui écrit de façon encore plus intime, il lui dit « Mon enfant bien-aimé ».
Il écrit, il dit ceci, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » S'il y a quelqu'un qui Paul pensait, c'était à Timothée. Lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était en voyage, il dit « Nuit et jour, je pense à toi, mon fils bien-aimé Timothée. » Et il dit « Je me rappelle aussi tes larmes. » C'est-à-dire que c'était dans les deux sens. Timothée était extrêmement attaché à Paul. Je trouve génial ça. Il dit « Je désire te voir afin d'être rempli de joie. » Et puis Paul lui écrit des trucs hyper personnels. Est-ce que vous avez déjà lu l'épître de Paul à Timothée? Il y a des mots, c'est chelou dedans. Tu te dis « Mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible ça ?» Par exemple, Paul écrit à Timothée et il dit « Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin. À cause de ton estomac. » Et de tes fréquentes indispositions. Moi, franchement, si j'ai un problème d'indisposition, j'ai pas envie que mon coach il mette ça sur Facebook et qu'il y ait juste 5 milliards de personnes. Sauf qu'on a tous vu l'histoire. Maintenant, tout le monde sait que Timothée avait un problème avec du malox, là, et qu'il n'avait pas de malox, il digérait ça avec du vin. Mais pourquoi c'est quelque chose de privé? C'est parce que c'est papa qui écrit. Comprenez bien que, des fois, on prend les textes de la Bible et on les sort du contexte. Comprenez bien que l'épître de Paul à Timothée a d'abord été écrite à Timothée. Donc respectez bien la Bible et la parole quand vous lisez. C'est une chance de pouvoir lire ce texte, mais qu'à la base, il est écrit pour quelqu'un qui a un caractère spécial qui s'appelle Timothée. Parce que si vous appliquez tout alors que vous n'avez pas le même caractère, il va y avoir des petits soucis. On va le voir la semaine prochaine. En tout cas, Paul et Timothée, père et fils, c'est extraordinaire. Ça, c'est comme s'il y avait son identité première, juif et grec, puis son identité de cœur, ça c'est l'identité de sang, puis l'identité de cœur qui sera en Christ et en Paul. Grand 2, mon identité céleste. Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour Dieu? Moi, pendant des années, j'appelais Dieu mon Seigneur. Mais j'étais son serviteur, mais j'avais pas compris ce que ça voulait dire son fils. Mais un serviteur n'a pas l'ADN du Seigneur, mais un fils a l'ADN de son père. Est-ce que tu es une servante de Dieu ou est-ce que tu es une fille de Dieu? C'est pas évident, non, allez-y doucement. Parce qu'on peut très bien être sauvé, avoir donné son cœur à Dieu, avoir demandé pardon, avoir même dit... Merci d'être mort sur la croix pour moi, mais de ne pas avoir compris la conséquence identitaire. Oh, je suis en train de vous amener quelque chose. Moi, pendant des années, lorsque je me suis converti, j'étais sauvé, j'avais compris la croix, j'avais compris la mort de Jésus, j'étais même baptisé dans le Saint-Esprit, mais je n'avais pas, à l'époque, une conscience de mon identité au niveau du Saint-Esprit et au niveau de la grâce. L'Esprit me révèle ce que Dieu voit pour moi. Alors que la grâce me révèle ce que Dieu voit en moi. Les deux choses qui vont me définir, c'est mes choix. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va me conduire dans tous les choix de ma vie. Et ce qui va me définir et faire mon identité, c'est qui je suis au plus profond. Et ça, c'est la grâce. Alors, je vais vous amener quelque part. Je vais essayer de rendre ça concret. J'ai des exemples pour vous. Accrochez-vous. Grandir dans l'esprit, ça veut dire quoi? Pendant des années... J'ai servi Dieu en résistance contre le monde. Contre. Quelqu'un a évangélisé dans la rue ici? Levez la main. Non mais levez vraiment la main quoi. D'accord, vous êtes 1 sur 5, 1 sur 10. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais défoncer. On va dire la vérité. Qui continue à évangéliser dans la rue? Vous êtes formidables les deux. Donc déjà à la base là, on est 350. Sur les 350, il y en a 50 qui ont évangélisé dans la rue. Et sur les 50, il n'y en a que deux qui continuent. Pourquoi? Parce que tu es un pitching ball quand tu es dans la rue. Moi j'ai été à Brest sur la place de la rue Siam, Jean Jaurès là. Et je remontais, j'étais avec mon copain Benjamin, on avait 18 ans, on était tout feu tout flamme. Quand tu as pris ton baptême, tu es indestructible là. Non, mais rappelez-vous un peu, vous avez vieilli. Mais quand tu venais de rencontrer Jésus, tu étais prêt à évangéliser le monde entier. Tu dis, je vais gagner des âmes. Tu étais dans un combat.
étaient en résistance. Et moi, j'ai commencé comme ça. Et je leur donnais « Jésus t'aime !» Et elles me répondaient « Eh ben, pas moi !» Et je leur disais « Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque... » Et dit « S'il aimait le monde, il n'y aurait pas autant de guerre !» Là, tu te prenais des tartes dans tous les sens. Le seul endroit où on se prenait un peu moins de tarte, c'était à côté de l'église Saint-Marc. Là, on allait là, parce que les gens étaient un peu plus gentils près du parvis de l'église. Je ne sais pas si c'est la culpabilité qui faisait qu'ils étaient plus gentils, mais on se prenait un peu moins de rejet au niveau de notre prospectus. C'était l'horreur. Mais moi, ça a créé en moi une identité comme Paul et Timothée. Comprenez que quand ils commencent, ils vont de synagogue, ils se prennent des tartes. Donc ça fait une carapace. C'est bien. Mais il va falloir que le Saint-Esprit te fasse grandir. Et grandir dans l'esprit, c'est lorsque, par son esprit, il va bouleverser tes principes verrouillés. Voilà, quand j'allais dans la rue, j'étais devenu solide, j'étais un guerrier de Jésus. Mais un guerrier, j'avais des tac, 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 toutes les lois qu'il fallait faire. Tu ne regarderas pas quelqu'un qui n'est pas ta chérie. Tu ne regarderas pas quelque chose de mal à la télé, etc. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne le feras pas. Et à la fin, si tu n'avais pas trop de négatif, tu étais en positif. C'était ça l'idée. Notre vision de la foi, et ça c'est issu du judaïsme, c'est si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors, addition, son pays je guérirai. Donc tu vois, t'as tellement de trucs compliqués à faire pour arriver en positif, quoi. Et, version positive, dans la foi de Timothée, de Paul ou de toute personne qui s'engage avec Dieu, si jamais tu fais rien de mal, que tu donnes ton offrande, que tu loues le Seigneur, que tu mets des principes, alors Dieu te donnera une chérie à tomber par terre. Et on croit que les principes bien vont apporter une solution forcément positive. Et dans ma tête, j'avais une théologie mathématique, parce que la loi, c'est des maths. À la fin, tu fais la somme, les plus et les moins, et tu as le résultat. Eh bien, ce n'est pas ça avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas vous perdre, restez là. Le Saint-Esprit va t'amener à vivre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu mérites. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Dès son premier voyage, le Saint-Esprit va apprendre à Timothée que parfois, il y a des très bonnes idées auxquelles Dieu dit non. Non. Parce que c'était une très bonne idée d'aller en province d'Asie. Il y a des désirs que tu as dans ton cœur qui sont très légitimes, qui sont très bons, et que Dieu va te dire non. Est-ce que tu as envie d'avoir un meilleur job? Oui. Est-ce que Dieu veut que tu aies un meilleur job? Est-ce que Dieu veut que tu puisses aller évangéliser cette personne? Ben, peut-être pas, alors que toi, tu voudrais... Je comprends plus rien! Si c'est pour aller évangéliser, quel est le problème? Parvenu dans la province de Mysie, il se proposait d'aller évangéliser toute la province en or, là, la Bithynie, là, et l'esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ça sert à rien de chasser. Il y a des chrétiens qui seraient là, au nom de Jésus, Non! C'est Dieu qui bloque. C'est Dieu qui bloque des bons choix. Oui, mais j'ai le droit de me marier. Oui, mais si Dieu dit bloque, il bloque. Hein. Et c'est ça qui est compliqué avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont légitimes, on a envie de bien faire. Et le Saint-Esprit permet que ça ne se fasse pas. Regardez l'image. D'un point de vue géographique, ça donne quoi? Ils sont partis du point numéro 1, l'Istre. Ils ont fait à peu près 200 km dans le chaud, dans la sueur, l'odeur des chameaux. Vous avez déjà senti un chameau? Non, mais c'est un truc horrible, quoi. Et ils voyagent. Et arrivés dans la province d'Asie, Dieu leur dit « Mais... » Du coup, Paul, Timothée, Silas, ils remontent, direction la Bithynie, et là, « Mais... » Eh bien, franchement, si j'avais su que Paul, il prenait autant de râteaux spirituels dans sa vie, je me demande si c'est encore un vrai mentor. Ben oui. Voilà. Et être spirituel, être rempli du Saint-Esprit, quels que soient tous tes bons principes,
le Saint-Esprit peut parfois fermer des portes et il t'amène où alors? Et du coup, Paul, il est perdu. Quand vous voyez, il est au numéro 2 là, il dit, bon, ben, il ne me reste plus qu'un seul endroit. Puisque je n'ai pas le droit d'aller vers là, ben, je vais aller vers l'opposé. Mais il n'a aucune conviction. Tu vois, j'aimerais bien que le Saint-Esprit nous dise, je t'attends à Troas. Mais pas du tout. Le Saint-Esprit le bloque pour qu'il ne puisse aller qu'à Troas. C'est différent. Et il se retrouve au bout de la Turquie. Ils descendirent, ils traversèrent pardon, donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Et là, vous, ça ne vous parle pas, mais pour Paul et Timothée, c'est le bout du monde au sens propre et figuré. C'est lorsque tu as essayé de bien faire les choses et qu'au final, tout s'est fermé. Tous ses projets se sont cassés la figure. Et Paul, il doit être au fond du trou, il est dans une impasse, une voie sans issue avec Timothée. Et là, il se dit, mais Dieu, c'était quoi le projet? Au port de Troas, Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est un autre monde. Parce que la Macédoine, c'est en Europe. C'est de l'autre côté de la mer. La Macédoine, c'est le nord de la Grèce et on est bien en Europe. Alors que la Turquie, c'est en Asie et ça appartient au Moyen-Orient. Et dans... Revenez là. Tous nos principes nous mettent des boîtes. Ils nous protègent, mais ils nous mettent des boîtes. Toutes les règles spirituelles, il faut ça, ce sont des boîtes. Et les boîtes nous empêchent d'aller là où Dieu veut qu'on aille. Et parfois Dieu qui te dit, je te conduis parce que le Saint-Esprit, Jésus a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le Paraclétos, le Saint-Esprit, et il vous conduira. Et le Saint-Esprit te conduit là où la loi ne t'amène pas, là où tes principes ne t'amènent pas, là où tes verrous te bloquent. Et le Saint-Esprit dit à Paul, Paul, avec Timothée, vous avez pensé évangéliser votre pays qui est l'Asie en fait, le Moyen-Orient. Eh bien moi j'ai prévu pour vous que vous alliez en Europe. Et le Ivan Carluer que je suis dit, merci Seigneur, qu'il soit venu en Europe parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce que Dieu les a bloqués qu'ils ont fini par aller dans un terrain auquel ils ne seraient jamais allés. Laisse-moi juste te dire quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que Dieu a fermé des portes sur ta vie, tu n'as absolument rien compris, mais Dieu les a fermées pour que tu aies un hublot qui te fasse traverser et que tu ailles. Mais tu n'avais pas envie d'y aller. Je suis même pas sûr que tu aies toujours envie d'y aller. Mais il t'amène là. Parce que le Saint-Esprit te conduit. Et j'ai appris que le Saint-Esprit, ce n'est pas des mathématiques. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Saint-Esprit, conduis-moi, même là où je ne veux pas aller. Conduis-moi et apprends-moi à grandir en toi. Aujourd'hui, c'est Pentecôte, quoi. Que le Saint-Esprit, à la Pentecôte, tout ce qui s'est passé, ils n'avaient rien calculé. Laisse le Saint-Esprit te surprendre. Grandir dans l'esprit ne vient pas de moi, ça vient d'une révélation qui me bouscule. Et voilà, ils ont pris la carte, ils ont traversé, et ils sont arrivés de l'autre côté en Macédoine. Ils sont passés, Timothée est passé de l'Asie à l'Europe, de l'Asie à l'Europe. Et vous, pour vous, ça ne vous dit rien, mais pour lui, c'était un pas hallucinant de l'Asie à l'Europe. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher une bonne nouvelle. Et là, je lui dis, merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. Attends, doucement, ne vous enflammez pas. Regardez un tout petit peu plus loin, verset 11. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes embarqués à Troas. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe. Hop, il bascule. Et là, je me dis, vu qu'ils ont la certitude que c'est le Saint-Esprit qui les conduit, ça va bien se passer. Vas-y, maestro, envoie le verset 23. Aïe! C'est-à-dire que, je comprends rien, le Saint-Esprit leur a bloqué des endroits faciles, les a obligés à traverser, par amour pour l'Europe, pour le Macédonien qui disait « secours-nous », et quand ils arrivent de l'autre côté, ils se font taper. Pire que ça, ils se font rouer de coups, jetés en prison. Le gardien avait reçu dans le surveiller de près pour se confirmer la consigne. On les enferma, le cachot le plus reculé leur attacha les pieds avec des blocs de bois. Et Timothée, il voit ça. Il voit son patron Paul et le numéro 2 qui est son Silas. Et il dit, mais c'est quoi Dieu? Et ils écoutent.
Je veux te dire, le Saint-Esprit te fait grandir malgré les épreuves. Le Saint-Esprit te fait grandir malgré les épreuves parce que, au lieu de se rebeller, au lieu de crier, au lieu de dire « Seigneur, tu vois le mari que tu m'as donné, franchement, faire tout ça, j'ai traversé tout ça pour en arriver là, c'est l'horreur. Je vois pas pourquoi t'as bloqué les autres plans si t'es pour m'amener avec lui. » C'est vrai aussi dans l'autre sens pour mesdames. C'est vrai pour ton travail. Et peut-être quelqu'un est en train de dire, mais Dieu, je comprends pas, j'avais plusieurs travaux au choix et tu m'as amené dans ce bureau, mais c'est pas une dame qui est là, c'est une geôlière. Et là, Dieu te regarde si tu fonctionnes avec le Saint-Esprit ou si tu fonctionnes avec la loi. Parce que si tu fonctionnes avec tes principes, tu as le droit de faire ça. Tiens, je nettoie mes chaussures, que la poussière retombe sur vous, bande de Philippiens. Et au lieu de faire ça, voilà ce qu'ils vont faire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques. Ils ont commencé à dire, Seigneur, c'est un endroit merveilleux où tu mérites d'être honoré. Je te demande de louer Dieu pour ton célibat, pour ton couple, pour ton enfant qui va pas bien. Je m'en ai capable de louer Dieu dans ton travail bizarre. Si tu commences à faire ça... Ah, c'est pas naturel. Pas naturel. C'est pour ça que c'est une entité spirituelle que tu peux avoir. Quand tu fais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force de le faire. Parce que ta chair t'amènera pas là. Et une fois que vous avez compris ça, voilà ce qui se passe tout d'un coup. Un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Parce que le Saint-Esprit, cette fois-ci, dit, c'était pas moi qui vous bloquais. Pour la Bithynie, pour l'Asie, là je suis d'accord. Mais là c'est Satan qui vous bloquait. Et quand vous avez loué, ça a ouvert le ciel. Boum, la gloire de Dieu est tombée et les portes et les verrous et tout a sauté. Et ils vont évangéliser l'Europe. Et Timothée va voir cela. Vous imaginez la leçon pour lui? Je termine avec grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce. La grâce, c'est ce qu'il y a de plus facile à dire, à comprendre au niveau de la tête. Mais le plus difficile dans tout ce qui est de la Bible, ce concept-là est le plus difficile à faire descendre jusque dans tes tripes. Moi, j'ai prêché pendant des années en expliquant pourquoi Jésus était mort pour la croix, sur la croix et que ça pardonnait mes péchés. Et très bien. Mais pendant des années, je n'ai pas réalisé que ça impliquait un transfert d'ADN. Restez concentrés 2 minutes. Un transfert d'ADN, c'est-à-dire que ce qui s'est passé par sa grâce, Dieu m'a donné une nouvelle identité. Voici ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Il est sur le point de mourir, on est tout à la fin de sa vie. Et il dit, toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée par notre union, transfert d'ADN avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être uni avec Jésus-Christ. C'est qu'à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et c'est pour ça qu'il dit, quand bien même vous péchez, vous ne péchez plus. Parce que Christ en vous, vous pardonne à l'instant même. Dans la loi, la validité d'un sacrifice était pendant quelques heures. Dès que vous aviez repêché, il fallait refaire un sacrifice. Vous êtes toujours là ou pas? Combien de fois Christ est mort? Une seule fois. C'est un valide, sa validité est permanente. Est-ce que quelqu'un peut dire juste permanente? Non, permanente, ça veut dire que quoi que je fasse, ça n'enlève pas mon identité de chrétienne. La seule fois où ça peut enlever ton identité, si tu dis et si tu affirmes en disant « Je préfère mon péché à la grâce et je veux changer, j'annule mon baptême, j'annule la mort de Jésus, j'annule tout ça et je veux pécher à fond. » Et ça te fait perdre ton salut. Mais sinon, tu ne peux pas perdre le salut que Dieu t'a donné parce qu'il t'a donné une identité et on ne peut pas s'amuser avec une carte d'identité à te dire « Ah, je t'ai fait ta carte d'identité, mais je te l'ai retirée lundi, je te la redonne le mardi, je te la re-retire le mercredi, je te redonne carte d'identité mercredi, je te... » Arrêtez ! Dieu a dit
vous êtes justifié, vous êtes pardonné, quand bien même vous me décevez. Et là, ça gêne tous ceux qui sont marqués par la performance. Je pense que Timothée ne se sent pas toujours à la hauteur. Et l'apôtre Paul lui dit, « Toi donc, mon enfant, écoute-moi, fortifie-toi, puise tes forces dans le fait que Dieu t'aime, dans les bons et les mauvais jours, dans les moments où tu le déçois et dans les moments où tu es au top. La grâce de Dieu, c'est un truc incroyablement difficile à accepter. » Je vous donne l'exemple. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de moi et de mon Dieu, mon Père, céleste, celui que j'ai appris à appeler Père et plus Seigneur, et qui, il y a quelque temps, je vous avais dit l'anecdote il y a 2 semaines, regardez la vidéo si vous voulez, mais bouleversé, il m'avait retourné, il m'avait dit « Attention, là, il va y avoir des conséquences. » Et dimanche, j'ai prêché sur les conséquences que j'avais eu un refus et Dieu m'avait dit « Tiens, tu vois, c'est moi qui te bloque pour que tu arrêtes et que tu progresses. » Et je vous ai dit « Mais quelqu'un m'a appelé pour me dire que la sanction allait être enlevée. » Mais je l'ai dit un peu quand même par la foi, hein, dimanche quand j'ai prêché. Est-ce que la poste, enfin j'ai peut-être pas compris la poste, mais est-ce que la poste livre des lettres le dimanche? Normalement non. Je ne sais pas comment expliquer le fait qu'à la fin de ma prédication au 5e culte, j'arrive chez moi, j'avais reçu la lettre dans ma boîte aux lettres, venant d'une mairie. Bon, je crois que Dieu est incroyable. Je crois que quand Dieu a décidé d'enlever toute condamnation, il est juste hallucinant. Un jour, je vais demander qui c'est qui m'a mis cette lettre dans la boîte aux lettres. Je ne comprends pas que j'ai reçu. Parce que j'avais retiré mon courrier le samedi. Hein. Non, c'était trop simple. Non, dingue. Bon, bref. Et je suis allé vers Dieu et j'ai dit, Dieu, franchement, c'est vraiment incroyable que tu punisses pas, quoi. Parce que même quand tu dis que tu punis pas. Et ça, c'est la grâce, c'est insupportable. C'est tellement beau. Et le dimanche d'après, mon petit garçon que j'aime tellement fort, la chair de ma chair, mon ADN, il a tellement mon ADN qu'il est accro à la tablette, et je lui dis, on arrête d'éteindre les jeux vidéo là, on arrête. Et il m'a piqué une colère, mais une colère pas belle. Et du coup je lui ai dit, puisque c'est comme ça, Ethan, il n'y a plus de tablette pendant une semaine. Ce à quoi il a dit, je m'en fous. Je dis, on va voir, une semaine, c'est long. Ça, c'était dimanche, mardi. Mardi, il y a Shaina, un peu provocatrice, j'avoue, qui dit, papa, elle est où ma tablette? Parce que moi, je ne sais pas punir. Je vois Ethan. J'ai mal pour lui. Je donne la tablette à Shaina, je dis, je vais devoir d'abord recharger, puis je me dis, bon, je vais quand même recharger la tablette d'Ethan au cas où. Donc je charge la tablette de Shaina, puis je ne trouve pas celle d'Ethan. C'est bizarre. Je cherche, je dis, Ethan, elle est où? Il me dit, papa, je ne sais pas où est ma tablette. Ben ça, c'est rare. Hein? Parce que je peux vous dire que d'habitude, c'est toujours où elle est. Hein? Je dis, tiens, tu ne sais pas où elle est? Et je commence à chercher. Est-ce que vous avez déjà fait chaud, froid, tu brûles? Je cherche, et quand il voit que je vais vers sa chambre, il change de couleur. Je reviens vers lui, je vais vers sa chambre, je reviens vers lui, je vais vers sa... Je dis plus. Ça sentait le mensonge à planer, mais c'est pas grave. Je soulève l'oreiller. Elle était là. Je suis resté en bas. Je connais mon fils connaît son père. Je l'entends descendre l'escalier. Je m'assois, donne-moi un siège d'ailleurs, il n'y en a plus. Je peux te voler ton siège. Je m'assois, il s'assoit, parce qu'il descend, mais il descend en larmes, parce qu'il savait très bien, on savait très bien. Puis je vois mon fils qui arrive vers moi et qui me dit, ça m'a fait bizarre, il me dit, papa, punis-moi. Vous, ça vous fait rire, moi, ça me fait chialer. Papa, punis-moi.
Et je lui ai dit, tiens, assieds-toi. Je vais te dire quelle est la punition. Mais écoute bien, écoute très bien dans ton oreille. La punition, c'est ça. Écoutez-vous aussi. J'ai rien entendu. J'ai dit, attends, je te redonne une deuxième chance quand même. Écoute bien la punition. Il dit, papa, j'entends rien. Eh bien, c'est ça la punition. Mais c'est quoi alors? C'est rien. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la grâce. La grâce, c'est quand tu es sur la chaise, à côté de ton Père céleste, et que tu viens pour dire, papa, punis-moi. Et que Dieu te dit, ça me fait tellement aucun plaisir de te punir. S'il y a un père dans la salle, vous comprenez ce que je dis. Il n'y a aucune joie, aucune satisfaction pour un père à punir son enfant. Est-ce que tu comprends que celui qui habite dans le ciel et qui t'a fait et qui t'a appelé, qui t'a créé et qui t'a sauvé, qui t'a racheté, qui t'a donné un ADN, n'a aucune envie de te punir. Plus que ça, pour éviter que tu sois puni, le grand frère s'est présenté et a dit, toute punition, je la prends sur moi. Et c'est fait! Donc je ne peux pas le punir parce que la punition a déjà été payée. Quand tu comprends ce que c'est que la grâce de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne soit pas puni. Tu commences à comprendre pourquoi Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, parce que ton identité, tu es purifié, tu es lavé, il n'y a plus de quoi. Tan, il est parti, il me dit, oh, papa, c'est ça la grâce. Je dis, la grâce, c'est le fait qu'il n'y a rien comme punition. Est-ce que tu as compris, est-ce que toi qui regardes ce message, est-ce que tu as compris ce que c'est que la grâce? Mon père m'a transmis un ADN incroyable. Mon père t'as donné cet ADN. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des fils du Dieu vivant. Non, 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 mais vous êtes des fils. Vous êtes des fils du Dieu vivant. Moi, je dis, Jésus est le fils de Dieu. Mais moi, non. Eh bien, si. La Bible dit que si Jésus-Christ est ton frère, alors c'est vous avez le même père. Parce que tu es un fils du Dieu vivant. Il y a des hommes dans la salle. Vous êtes tellement dans la performance que vous avez du mal à assumer que Dieu soit votre père. Il y a des femmes dans la salle. Vous dites, ah, oh, je ne suis pas digne d'être sa fille. Et moi, je te dis, tu es la fille du Dieu vivant. On va se lever ensemble. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a tout. Je perds pied, c'est bien lui qui m'oppose. Mon Père a créé l'univers. Ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a peur. Si je vérifie, c'est bien lui qui m'oppose. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime.
cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire, mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur, je cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient. Oh, alors je n'ai plus peur. Restez là, restez là. J'ai quelque chose à vous dire. Parce que ça commence à descendre de la tête jusqu'au cœur, mais ça prend un peu de temps. Gaspard, viens un petit peu devant. Regardez le nom qui est affiché là. Vous savez, dans tous les chants, il y a une histoire derrière. Et là, il y a marqué en petit. Ce chant a été écrit par Gaspard. Gaspard, il est là devant vous. C'est lui qui a écrit le chant. Mais vous savez, il y a des chants qui sont bien dans l'ambiance, tout ça. Mais quand il y a quelque chose de spirituel de plus, vous sentez qu'il y a une fragilité, il y a une blessure, il y a une révélation derrière. Et moi, ce matin, lorsque j'ai eu ce chant, je me suis dit, pour que ce chant me touche autant, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et j'aimerais te demander, Gaspard, si tu veux bien être vulnérable un instant, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce chant ? Alors, à chaque fois c'est compliqué. Alors, ce chant a été écrit dans des circonstances un peu de ma vie, enfin de ma famille assez difficile. Où, au niveau professionnel, ça n'allait pas du tout. Au niveau familial, ça n'allait pas du tout. Au niveau financier, ça n'allait pas du tout. Et même à l'église, ça n'allait pas du tout. Tous les projets qu'on pouvait faire, ça n'allait pas du tout. Et puis aussi, bon, on venait d'apprendre aussi que notre fils, il était autiste. Donc tout allait vraiment très... c'était vraiment compliqué. Et puis, c'est une période où vraiment je passais ma vie à pleurer, à me plaindre. Parce que j'avais l'impression que c'est pas... j'avais l'impression que j'avais tout épuisé, tous les recours. Mais un jour, le Seigneur m'a vu en train de pleurer, de crier. Mais il m'a dit, mais oh... Mais... En fait... Avec mon fils, on a une relation exceptionnelle. C'est qu'il est très attaché à moi. Par contre, je ne supporte pas du tout si quelqu'un le touche, si quelqu'un lui fait du mal. Ou si quelqu'un... Enfin, en tout cas, quand il pleure, je viens en courant. J'ai envie de le prendre. Je le berce pour qu'il arrête de pleurer. Si quelqu'un le touche, en tout cas, c'est moi qui cours en premier. Il faut d'abord me trouver. Et là, Dieu me disait, mais regarde comment tu es avec ton fils. Regarde comment tu es avec ton fils. Quand il pleure, tu viens en courant. Mais quand quelqu'un le touche... Tu viens. C'est la même façon. De la même façon, je suis comme ça avec toi. Je suis ton père. Là où tu pleures, je suis là. Et quelqu'un te touche, j'envoie mon armée. Parce que tu es mon fils. Alors arrête de pleurer. Cesse de te lamenter. J'ai créé l'univers. Je suis ton père. Et cesse de pleurer. Et prends la victoire. La tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire.
Vous arrivez devant Dieu et vous voulez lui dire « Punis-moi ! Punis-moi parce que je suis pas la fille que tu penses que je suis !» Et Dieu te dit « Mais je sais très bien quelle fille tu es !» Parce que c'est mon ADN qui est en toi. Et je te dis une chose, je vois en toi une sainte. Là, tu dis « Tu vois pas bien !» Si je vois en toi une sainte, il y a un homme dans la salle. Tu viens et tu dis, Dieu, je suis pas les autres, pas moi. Et Dieu dit, non, non, je te parle à toi. Je te dis que tu es le fils du Dieu vivant et que tu as l'ADN de papa en toi. Quand tu comprends ça, la grâce te donne une force incroyable qui combat le péché, beaucoup plus que toute ta culpabilité. La grâce te donne une force que la culpabilité ne te donne pas. Je voudrais que tous les hommes dans la salle reprennent, ils m'aiment. Est-ce que tu peux nous faire chanter? Pas les femmes pour l'instant, juste les hommes. Du Dieu vivant dans la salle. Non, 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 pas seulement avec votre bouche, que dans vos tripes là, vous dites, je suis une fille du Dieu vivant. Alors tu vas chanter, on va t'écouter. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur.
toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui m'emporte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Oh, et si je pleure, c'est bien lui qui m'emporte. Moi j'ai l'impression que ton voisin il n'arrive pas à accepter l'amour de Dieu. Et Gaspard, on va leur demander, est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que moi je vais le dire, est-ce que tu réalises que tu es le fils du Dieu vivant? On va le regarder les uns les autres, on va se regarder, on va assumer là. On va proclamer sur vos vies, vous derrière votre écran, tu es le fils du Dieu vivant, tu es la fille du Dieu vivant. On tue. Oh, tu es le fils de Dieu vivant. Ton Dieu t'aime. Oh, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant, créateur de l'univers. Aussi, cesse de pleurer, marche la tête haute et saisis la victoire. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt, j'espère.